عندنا اتصال، نظن انه راح يكون اخر اتصال لعدد اليوم من كينيا. اهلا مهدي. اهلا، صباح. الحمد لله، وانت يا مهدي واش راك؟ لاباس الحمد لله، وانتم؟ تخي بيان مهدي، تفضل. مهدي اتصلت ربما باش تعطي رايك حول فتره حكم عبد العزيز بوتفليقه كرجل سياسي. اسكو عشت هنا في الجزائر في فتره؟ لا، انا كنت تماك اون الجيري جوسكا لا فان دو مانداد de l'ex-président. Qu'est-ce que vous retenez de Abdel Aziz Bouteflika? Avec tous ceux qui ont pris la parole avant et qui ont parlé de la présidente du président Abdel Aziz Bouteflika. Et cela est dans la façon dont il a été fait le gouvernement, c'est-à-dire l'extinction ou le chalal, parce qu'il est parti du gouvernement obligatoirement. تحت ضغط شعبي بسبب الضغط الشعبي، وكلنا نتفق على 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 كل السلبيات من 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 تحديد الحريات، الحريات الفرديه والجماعيه، ومواصله الحكم بطريقه انفراديه، وتعديل الدستور والوضعيه الاقتصاديه. لكن avec un petit bémol quand même, il faut aussi souligner quelque chose. C'est que ceux d'aujourd'hui ne valent pas mieux. Voilà les cas de la façon dont ils ont été faits. Parce que si nous avons une chose que nous avons fait, c'est le régime de la Jumhuri. Et le régime de la Jumhuri est en train de faire ce qu'on appelle le régime, la pérennité de l'État. S'il y a un point positif qu'on peut retenir pour Bouteflika, c'est que le régime de la Jazaïri, qui est en train de faire 20 ans, c'est normal. ماتوا بزاف الرؤساء في 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 في, في العهد نتاعو. مات بن بلا في 2012، شادلي بن جديد في 2012 جو كخوا اوسي، اي علي كافي في 2013. وثلاثة الرؤساء السابقين كان عندهم حداد وطني وجنازة Watania, vous parlez de la case recueillement au niveau du Palais du Peuple qui a été supprimée, Monsieur Mahdi? Non, je parle de tout le protocole qui a été. Il y a un protocole à observer lors de d'obsèques officielles républicaines, quel que soit le bilan de la personne. Parce que quand on est président de la République, il y a un protocole à observer. Et aujourd'hui, on a vu que l'hésitation et la non-prise de décision, le non-deuil national, ça fait un petit peu tâche. Nonobstant, bien sûr, le bilan du président. Parce que s'il y a un président controversé, on peut parler d'Ali Kafi, par exemple, qui n'a même pas été élu. Et on peut parler de Chedli Benjedid, qui a démissionné en 92 quand on était en pleine crise. Donc c'est pas le problème du bilan. C'est le problème de l'image qu'on donne en tant que république. Et le fait qu'il n'y ait pas de pérennité dans le protocole, ça pose aussi un problème qui dépasse Bouteflika et qui dépasse même, je crois, les autorités actuelles. Vous voyez, comment vous traduisez cela, Mehdi? C'est l'amateurisme. L'hésitation, l'amateurisme. Il y a la nouvelle de la mort où elle est tombée. Nas Marfouj, comment réagir à cela? Est-ce qu'on va décréter un deuil national? Est-ce qu'on va faire des obsèques nationales? Tout cela c'est-à-dire dans la gestion de l'instant. Or, dans un État, il y a des choses qui dépassent l'instant. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas plus opposant que moi à l'ère Bouteflika, mais tout en étant opposant, on reste républicain. Et dans la République, il y a un certain nombre de protocoles qu'il faut respecter, comme par exemple le fait que quand un président de la République décède, ex-président de la République, il y a un protocole. Et là, Bouteflika, fi hadzatou, يقولوا عليه لي رونكوني وروفونشار اكسيتيرا وهكذاك وتفن بن بلا وعلي كافي وشادي بن جديد افيك لي زونور لا ريبيبليك. لو فات كو سولا لوي سوا ريفوزي مو جو تروف سا با تري جوست. اي جو سوي اكستريمون سيريو ان ديزون سا باسكو جو سوي ان ريبوبليكان اي كو جو ديباس لي اوبوزيسيون اي جو سوي بور سيت ايماج دونيتي ناسيونال اي دو ريبوبليك اوني. Que même Houa, il a droit à des obsèques nationales et à un deuil national d'au moins 7 jours, qu'il a décrété pour les autres présidents.
imaginez demain, Tboun va mourir. On va rentrer dans un truc où Nzerwal, il est toujours en vie, il va mourir, comment on va faire? Ils ont très très mal. Et c'est aussi une conséquence de sa propre manière de gouverner, quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'il est en train de payer aussi ce qu'il a fait. Mais Anna, je trouve que on ne doit pas gérer l'instant. En disant qu'il est en train de payer ce qu'il a fait, vous justifiez en quelque part. Maintenant que je vous parle, c'est vrai que l'idée me. Il est parti dans une telle confusion et dans un tel tumulte que peut-être la décision n'a pas été prise à cause de ça. Mais quel que soit, et on a besoin d'une équipe qui soit au pouvoir, qui soit républicaine, qui dépasse la gestion de l'instant. Et de l'événement et de l'actualité, que quand un chef d'État a été déclaré élu par le Conseil constitutionnel, nonobstant les conditions dans lesquelles il a été élu, etc., il soit respecté. Voilà la ligne. Il a déterré la dépouille de Amir Oshouz, etc. Il était un symbole de la réconciliation nationale à l'époque, en 84, le 30e anniversaire de la Révolution. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui doit dépasser tout ça, et c'est l'aspect républicain de la chose. Et aujourd'hui, on a enterré un ex-chef de l'État sans deuil national, et sans qu'il passe par le palais du peuple. Oui. Moi, je trouve que c'est dommage et que ça donne une très mauvaise image de la pérennité de l'État.